Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Et voici donc la France contre le Pays de Galles. Grégoire Margoton au commentaire avec sans doute l'anglais préféré des Français, Darren Tullet. Hello Grégoire, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. L'hymne national est toujours un moment très solennel. De voir des joueurs avec autant de bonnes intentions, ça en dit long sur leur état d'esprit. Tolisso qui cherche la profondeur. Oh, le petit ballon piqué. Il reçoit le ballon dans la surface. Oh, le coup de tête. Dommage, ça ne passe pas loin. Oh là là, pas de bol, ça passe juste à côté. C'est dommage, mais il faut cadrer à tout prix ce genre de frappe. Ça pouvait être dangereux, il fallait impérativement l'arrêter.
s'impose physiquement dans ce duel. Il est bien la dernière personne qu'on veut voir rôder autour de sa surface. C'est un poison, c'est un véritable cauchemar de défendre sur lui. Oh, Griezmann! Oh, quel geste! Martial, il est sur le côté. C'est bien donné. Oh, la frappe! Un long ballon vers l'avant. Vaux. Une récupération sans se livrer, c'est bien joué. Ça joue à gauche. Ça revient dans l'axe. Il décide d'allonger le jeu. Ledley. Le pays de Galles qui peut construire. Mais je crois qu'il y a faute, c'est ça. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement, c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. Il va provoquer. Oh, très bon ballon. Griezmann. Oh, pas de chance sur ce coup. La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. La France qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. La France, pour moi, a dominé cette première période. Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant, mais ça pourrait venir sous peu. Le long dégagement du gardien. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. King. S'il le trouve. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il faut pas se rater. Griezmann à droite. Bien tenté. C'est puissant sur l'aile. Le gardien loin devant. Oh, voici Ramsey. Pour trouver la faille dans la défense. Le pays de Galles qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Vous avez raison, Grégoire. J'ai même l'impression qu'il se méfie énormément des courses dans le dos. Une passe en profondeur est si vite arrivée, vous le savez. Qui est le premier sur ce ballon? Le centre au second poteau. La tête! Il marque! Ils font enfin la différence en deuxième mi-temps. La défense était bien présente, mais il a trouvé une brèche. Vous pouvez le marquer de près, de loin, seul ou à plusieurs. Lui, il s'en fiche. Il s'est débarrassé de tous les défenseurs avant de marquer sur ce tir imparable. De jeu, le changement peut maintenant s'effectuer. Le premier changement n'a pas franchement été décisif, alors là, l'entraîneur abat sa deuxième carte. Le jeu reprend, ça fait 1-0. Ça fait 1-0, mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre. Il mène toujours 1-0 en ce milieu de deuxième période. Il n'arrive pas à se rapprocher.
C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudents, non? Exact. Le Pays de Galles qui cherche l'étincelle. Tolisso. C'est en sursis, ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Dans quelques instants, ils pourront fêter la victoire. Ledley. Assez mal joué, ballon perdu. On le contre, l'arme fatale. C'est joué long, attention. L'accélération. Un peu d'air. La France qui récupère ce ballon. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Ils auront douté jusqu'au bout, mais cette victoire 1-0 suffit largement à leur bonheur. Ah, vous savez, le football est parfois cruel. On ne peut pas dire que cette victoire soit indiscutable.